Salut les viewers, c'est Fox de notre environnement. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Fallout 3 en compagnie de Marcus Bonus. Mais on rend l'antenne à Marcus Bonus, merci. Donc salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Fallout 3. Et donc chers amis, accompagné de notre cher ami le Super Mutant. Il semblerait que nous nous fassions attaquer par des cérébrobots. Je suis d'accord avec toi, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? De la viande de chien, ouais, parce qu'il a buté un chien avant. Un petit peu de ferraille, des cellules énergétiques. La ferraille, je ne m'en sers plus. Je récupère cependant les cellules énergétiques, chers amis, au cas où. Alors, bizarrement, il y a deux grandes antennes ici. Je sens de bonnes raisons d'être prudent ici. Pas moi. Bah si, je te vois toi, mais... Bon. Quoi qu'il en soit, juste pour la blague, on va emmener ce super mutant à Mégaton. Donner. Où sont les quêtes? Où sont les quêtes? D'abord, on va à Mégaton. Où sont les quêtes? Alors, Mégaton, voilà. Hello there! J'ai ramené un copain, les gens! Vous avez vu? Salut! Tout le monde s'en fout! Bon. Bon, on va attendre 12 heures. Écoute. Crac, crac, crac. Bon, sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. J'espère que tout se passe bien dans votre rentrée, pendant votre rentrée, durant votre rentrée, avec votre rentrée. Bon, bah, moi, ça va pas être très très compliqué. Je parle déjà de rentrée, mais on est déjà pratiquement à la fin du mois de septembre, c'est cool. J'espère que ça s'est bien passé au final, hein. On va plutôt le dire comme ça. Bientôt de nouveaux jeux sur la Playroom, hein. Donc, on verra par exemple le fameux Fallout 4. Vous saviez que le corps humain. Oui, je veux pas le savoir. Voyons ces marchandises. Alors, j'ai de la saloperie à vendre, ma chère. Alors, divers. J'ai, par exemple, des livres d'avant-guerre. Oui, ok. Ça faudra que j'aille les donner, je sais à qui. Ophtalmoscope, j'ai envie de le garder, bizarrement. Le mug, je peux le vendre. Une main d'écorcheur. Je te la donne. Alors, là. Manta. Medix. Psycho. Nuka Cola Quantum. Radix. Surtout pas les Radaway. Déjà, on commence par ça. Merci. Je te vends aussi mon chapeau de fête. Au niveau armement, j'ai quoi? Bon, je peux vendre un fusil d'assaut. Et en échange, elle me donnera. Elle me donnera. Rien du tout. X. Oui. Bonne chasse. Des objets spéciaux à vendre. Nanana. Vous pouvez réparer mon matériel. Vous avez des. Oui, j'en ai. Alors, justement, mon chapeau à large bord. Et mon manteau de régulateur. Hop, parfait. Voyons ces marchandises, du coup t'as récupéré de l'argent, voilà. Et du coup surtout je peux te vendre de la saloperie. Ouais, pas suffisamment encore, dommage. Dommage. Bon, hop, ça c'est fait. Pas beaucoup d'action je pense dans cet épisode, chers amis, surtout peut-être un petit peu d'histoire par contre. Il a dû baisser la tête le pauvre. Il faisait un face à face avec l'ampoule pour être très précis. Ah oui, c'est vrai, je porte leur armure. Ah non, ça me va pas. Je ne veux pas de leur armure. Par contre, je veux bien de mon armure à moi, du coup. Vu que j'ai payé pour qu'elle soit réparée. Vous voulez quelque chose? Pa-da-pa-pa-pa-pa. Pa-da-pa-pa-pa-pa. I want you.
Bon. Le trou du cul, il me suit plus. Il a dû taper à discuter avec quelqu'un, j'imagine. Alors. Bim. Hop, le bordel, c'est ici. Alors, j'ai pas besoin d'autant de fusils chinois. Par contre, ils vont me servir à réparer. Fusil à plasma. Fusil ferroviaire, au final, il est pas top. Les mines. Mines, je vais les garder. Le minigun, je le laisse. L'éventreur, je le laisse. Alors, voilà. Ça, déjà, je peux virer. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Voilà, déjà, ça de fait. On est beaucoup plus léger, chers amis. Alors, salut l'ami. Bah, ah si, je croyais que tu l'avais plus. Poim 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 poim. Pourquoi il me fait penser à ça? C'est le sac sûrement. Poim 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 poim. Alors, la quéquette. Allons-y pour la quéquette. On se calme, j'ai amené un copain. C'est un copain. Copains, suis-moi. Ils sont pas très sympas. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Salut. Le mec, il est posé, il a l'habitude. Hein. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits, du fromage frais. Petit filoutube, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Tu es sponsorisé, Marcus, tu es sponsorisé par les petits filoutubes. J'aimerais bien. Tout ce que je dis. Mon régime n'aimerait plus pas. Plus longtemps nous attendrons, plus ils pourront renforcer leur défense. Oh. Mieux vaut les frapper au plus vite. Oh. Nous avons à peine assez d'effectifs pour assurer la protection de la citadelle. Nous en avons déjà discuté, Sarah. Alors nous attendons jusqu'à ce que nous soyons les prochains sur la liste? Oui. Si la troupe y va maintenant, nous avons peut-être une chance. Et si vous échouez, que se passera-t-il? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je suis d'accord. Sans Jack, l'enclave ne peut rien faire du purificateur. Il risque de laisser rapidement tomber. Ça ne me plaît pas. Peu importe que ça te plaise, Sarah. Contente-toi d'appliquer les ordres. Oui, père. Révélation. Voilà. Non, je rigole, on avait vu le nom. Vous avez perdu le Jack et vous. Vous avez réussi? Eh bien, plus ou moins. J'ai trouvé le Jack. Excellent. Cela nous permet d'empêcher l'enclave de contrôler le purificateur. Eh bien, ce n'est pas si simple. L'enclave a pris le Jack et est en train d'installer. Alors, il faut agir sur le champ. Mais tu changes complètement si de sujet. Si vous avez d'autres informations, donnez-les-moi avant que nous ayons rassemblé nos forces. Toute aide pourrait sauver des vies. Eden voulait que je sabote le projet avec une sorte de virus. L'enclave n'est pas aussi unique qu'elle veut nous le faire croire. Raven Rock est détruit. C'est vrai? Oui. C'est une surprise, mais elle est la bienvenue. J'espère que cela réduira leur capacité de défense. Oh, je pense que oui. Dans ces conditions, nous devons revoir notre stratégie. Si l'enclave a le Jack, what? Rien ne pourra l'empêcher d'activer le purificateur. Ils finiront par trouver le code. Je crains que tu n'aies raison. Il faut agir maintenant. Comment tu sais qu'ils ont pas le code? Qui c'est qui a laissé ce tasse à café? Envoyez la troupe. On peut y arriver. Au rapport, qui a laissé ce tasse à café? Très bien, Sarah. La troupe va y aller. Mais je veux lui fournir de la puissance de feu en plus. Rothschild, est-ce qu'il est prêt? Quoi? Dites-moi que oui. Non, je veux dire, Lee et moi avons résolu les problèmes d'alimentation. Mais on a à peine achevé les tests de diagnostic. Alors? Il n'est pas prêt pour les tests de terrain, encore moins pour le combat. L'armement n'est pas étalonné, le système de navigation n'est pas actif. Ça suffit, Rothschild. Est-ce que vous pouvez le faire marcher? Franchement, je n'en sais rien. Ah. On peut y arriver. Et je suppose que dans le cas contraire, ça sera sans importance à long terme. Alors c'est décidé, Sarah. Tu emmènes la troupe, avec le robot en appui. Ouh. Emmène cette personne et emparez-vous du purificateur. Cette personne? Entendu. Avant que nous ne commencions, sachez que mon père et moi avons eu une discussion. La troupe et moi avons décidé que, compte tenu de tout ce que vous avez fait, vous méritiez d'en devenir membre. Ah, c'est déjà ça. Alors félicitations. Ce statut comporte quelques avantages, dont notre armure assistée. Vous voulez l'armure complète ou celle de Rocco?
J'ai pas besoin de cette armure, j'ai fait sans jusqu'ici. D'accord, à vous de décider. J'essaie simplement de vous protéger. Oh, si mais t'inquiète. Pour pouvoir y arriver, il faut qu'on se mette en route. Bien sûr que oui. Voilà ce que j'aime entendre, soldat. Oh, par contre, faut leur faire attention, soldat. On ne va pas revenir ici de sitôt. Je suis prête. D'accord. Vous avez toute la troupe avec vous, sans parler de cette boîte de conserve. Moi, c'est la boîte de conserve qui m'intéresse. Attention à vous jusqu'à ce qu'on arrive au purificateur. Vous ne servirez à rien si quelqu'un vous tue. Et ne vous laissez pas aplatir par ce truc. Oui, madame. Bien, madame. Hey, salut, l'ami. On va tout passer en revue une fois de plus. La troupe est avec moi. L'objectif est le projet Pureté. Salut. Les champs énergétiques nous empêcheront d'entrer dans le site. Rothschild et Lee pensent que ce robot pourra s'occuper des champs énergétiques. Alors on joue l'appui-feu. On reste à proximité, on assure sa protection. Comment elle a pu croire que j'avais besoin d'une armure ? Une fois les champs abaissés, on fonce vers le site. Nous nous servirons du robot pour les occuper pendant que nous entrons et nettoyons la salle de contrôle. Ah oui, c'est la caméra qui fait... Il faut agir vite, avant de perdre l'effet de surprise. Prenez ce qu'il vous faut, on se retrouve dans la cour intérieure. Quand nous en aurons fini avec ça, tout le monde pourra boire un verre d'eau fraîche sur mon compte. En route. C'est bon, Rothschild. Faites comme s'il faut que c'était pas là. En avant. En avant, t'as dit. Oh, il est sourd en plus. Je sens une bonne raison d'être prudent ici. Non, t'as pas de raison d'être prudent. Ah, par contre, je crois que Fox, tu déranges. Salut. Tu permets, Fox? Tu permets, Fox? Est-ce que tu permets, Fox? Merci, Fox. Fox? Fox? Bon, apparemment, il veut pas. Matibania, je sens que je vais faire une connerie. Je vais sans doute mettre autre chose. Comme ça. Alors. Voilà. Hop là. Parfait. On descend. Sprint de faucheur. C'est quoi ça? Ouh! Explorateur. D'accord. Spécialité bonus. On va commencer par sprint de faucheur. Hop là. Ça peut être cool. Bah tu te poussais, mot du gland. Putain. C'est bon, je suis passé. Ma tibagna dababa vitibabo. Ah merde, je pensais qu'il allait juste arriver en haut puis marcher. Le pauvre, il a même pas le droit de marcher. Je vois plus la sortie. Oh merde! Merde, je suis coincé! Putain, j'ai pas l'air con! C'est là? C'est peut-être là. Oui, c'est peut-être là. Vu qu'il l'envoie juste devant, ça doit être là. Alors! Hey guys! What you doing? Ouvre la porte! What? C'est la guerre! Alors, juste pour voir, faut aller. D'accord, faut juste aller là. Belle tentative! Ressens la puissance de feu de ce monstre de métal et de feu. D'acier. Enfin, de métal et d'électricité, du coup. Laissez-le passer, je pense qu'il vaut mieux qu'il passe devant. Sauf que je comprends pas comment il peut marcher en fait. Il n'y a aucun amortissement au niveau des cuisses. Ce qui fait qu'à chaque pas il devrait tomber en fait. Mais c'est la guerre. Wouah! Regardez ça! Continuez à tirer! Il saigne comme tout le monde! Boum! Continuons, chers amis, continuons! Oh, j'ai vu un bras passer.
Alors. Mais il n'y avait pas ça avant. Je suis pas tout à fait sûr qu'il y avait ça juste avant, chers amis. Alors. Fusil à plasma. Ah ah. Voyons voir. Ah, je me trompe de bouton. Mince. Hop là. Wouhou. Ah bah il a bourré le machin quoi. Boum. Et l'hélico. Bon bah il bourre tout en fait, c'est cool. Oh la vache. Ah, je dirais même qu'il bourre sec hein. Oh le pauvre, il reste une jambe, c'est tout. Oh la vache, j'arrive même pas à viser qu'il est déjà pété, il les a déjà dégommés quoi. Ah bah non, là je l'aurais pas justement le sprint de faucheur. Ouh là, je suis passé mais genre Ah par contre, je vais prendre un Radaway. Radaway. Peut-être même un Steampack. Et boum. Quand dans ton cœur, ça fait boum. Aïe. Je me prends même des moi-même je me prends des tirs, c'est pute. Arme à énergie plus 10, ça peut être cool ça. Ah, c'est la fameuse armure Tesla que je ne voulais pas prendre. Bah, je vais la prendre, écoutez. J'avais dit pas d'armure, mais seulement celle remplie du sang de mes ennemis. Hellfire. Enfin, je trouve plus d'armure, mais Tesla. Mais non, le pète pas, il y avait personne dedans. What? Aïe. Wow. Faut que je reprenne un coup de Steampack. Ah. J'ai une chanson mourir, enfin une chanson pourrie dans la tête, mais je l'aime bien. Qui a osé me mailer? Ah mais c'est un allié. J'imagine que c'est lui qui va faire mal. Meurs. Ah, mon bras. Bon. C'est limite pas drôle. La démocratie n'est pas négociable. J'aime quand il parle comme ça. Attention à l'espacement. Oh, vous pourriez me donner... Sincèrement, vous pourriez me... Bah, il y a des bouts qui roulent. Là, autre chose. Ah, une armure Tesla. Mais oui, mais je vais réparer. Mais laisse-moi le temps. Merde, à la fin. Boum. Boum. Alors, ensuite l'armement. On continue. Non? Pour l'Aîné Lions. Bon, au suivant. Alors, où c'est que c'est coulé? Alors.
Vous restez pas avec moi quand même là. Oh merde. Liberty Prime? Mais il a littéralement disparu, Liberty Prime. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le garçon. Enfin, le garçonnet, qu'on va l'appeler. Oh, je le verrai tellement avec un... What? C'est Nightmare Tesla que t'as... Non. Toi, c'est une armure Tesla que t'as? Non. Je récupère juste. Voilà. Oh là là, le carnage. Il y a des bouts de gens partout. Ah, ça, c'est une armure Tesla. Alors. Voilà. Alors. Tesla Prime! Tesla Prime, pardon, Liberty Prime! Ouais, c'est moi Tesla Prime, on va dire. Ah, encore une. Hop là. Et l'arme. Parfait, allons-y! Taïo! Oula! Grenade! Boum! Non, ne te sacrifie pas, Prime! Prime, non! Oui, tu es encore debout. Ah putain, même d'aplomb, hein, dis donc, tu m'as surpris là. Wow. T'es aussi grand que lui? Non, pas quand même. Faut pas exagérer, alors fais gaffe. Bon. Allez, deuxième. Piou! Grenade! Boum. Infecter les réserves d'eau du projet, ou pas? Non, on va pas les infecter, je veux pas détruire les ghouls. What? Tu me fais peur, toi. Alors. Coucou. Non, t'inquiète. Nous, on rentre par là. Hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Boum! 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 Et le 2! Du coup, ça me repop! Enfin, ça me le redonne, pardon. 1! 2! C'est bon! Miam, 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 miam! A ton tour! Boum! Raté! Et voilà, ça c'est fait. Salut les mecs! Alors la forme? Vous pétez le feu? Tiens donc! T'as des choses qui m'intéressent. Et tu sais quoi? Ton armure. Bah je te l'ai enlevé juste pour la peine. Juste pour que tu meurs à poil. Ah non. Je peux encore réparer la mienne. Cool. You make me. J'ai toujours là dans la merde, vous voyez. Faisons chacun.
chacun de nos pas. Alors. Hello guys, what the damn shit? Alors, on doit y être, plus ou moins. Ça, c'était la chambre à papa. Ce qui est complètement hardcore d'y revenir maintenant. Mais non, ça c'était avant, ça c'est pas le bon endroit, je suis pas du tout au bon endroit. En plus, y'a personne. Alors. L'air semble dangereux. Ah bon? T'as déjà vu de l'air dangereux, toi? Et ça, je vois aussi, mais on est pas du tout au bon endroit en fait, on s'est complètement planté. Alors. C'était pas par là. C'était pas genre là en fait. Haha! Faites encore gaffe. Vous. Oui, encore moi. On ne peut pas dire que je sois surpris. Vous et les vôtres semblez déterminés à détruire tout ce que notre gouvernement a cherché à accomplir. Rien ne m'empêchera de vous tuer cette fois. Finissons-en. Écoutez, je ne veux pas... Laisse tomber, Otan, vous avez perdu. Je ne suis pas d'accord. L'enclave est au summum de sa puissance. Ah oui. Lorsque sans Ravenrock sera opérationnel, les foules rejoindront en masse l'enclave pour avoir de l'eau saine, une protection et un projet d'avenir. Discours 26%. Ravenrock, c'est fini. Plus d'Eden, il ne vous reste rien. Le peuple américain mérite qu'on se... Oh, ça a marché en plus. Il faut assurer l'avenir. Je ne vous laisserai pas vous y opposer. Mauvaise méthode. D'autres combats ne feront qu'aggraver les choses. Et que devrais-je faire? Oh, comment je suis bon. Vous remettre tout ce que j'ai contribué à construire? Vous laissez tout détruire. Vous savez quoi? Allez vous faire foutre, vous allez y rester. Allez-vous-en, il n'est pas trop tard. Et vous? Vous me laisseriez partir? Comment puis-je être sûr que vous n'allez pas m'abattre dès que j'aurai tourné le dos? J'imagine que ça n'a plus vraiment d'importance. Eh bien, je vous laisse à votre sort. Oh, ce combat de boss, chers amis! J'imagine que je ne devrais pas être étonné de ce que vous le laissiez partir. C'est incroyable que vous soyez encore capable de ça. Espérons que vous n'aurez pas à le regretter. Maintenant, bouclons cet endroit. Hé, hey, Lion, tu te calmes. Docteur Lee, ici Sarah Lyons. Nous sommes dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que ça donne? J'ai suivi les équipements à distance et nous avons un sérieux problème. Le site a été endommagé pendant les combats. Certains semblent accidentels, d'autres peuvent relever d'un sabotage. La pression augmente dans les réservoirs. Il faut la réduire très vite ou toute l'installation risque d'exploser. Pour réduire la pression, il va falloir activer le purificateur. Vous me comprenez? Il faut l'activer maintenant! Si je déchiffre correctement ceci, je crains que les niveaux de radiation dans la chambre ne soient mortels. Je suis désolé. J'aimerais qu'il y ait une autre solution, mais le temps manque. Bah on a Fuchs! Maintenant ou les dégâts seront catastrophiques. Eh bien, autant pour la fiesta. L'un de nous va devoir entrer là-dedans et activer ce truc. Et la personne qui le fera n'en ressortira pas. Ce n'est pas exactement comme ça que je comptais finir, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire à la courte paille? On envoie Fuchs. Fuchs peut lancer le purificateur. Putain! Fuchs peut lancer le purificateur! Si c'est ce que vous voulez, très bien. Mais faites vite. Fuchs! Ah, la situation... Fuchs, il faut que vous lancez le purificateur. Le code est 216. Ah! Naturellement! Mon immunité aux radiations fait de moi un bien meilleur candidat. Tout à fait. À la survie! Je pense que votre destinée vous attend là-dedans! Mais vous avez action. Quoi? Mais il va survivre? Actionnez le sas. Mais le niveau de radiation est pas mortel pour lui, on est d'accord. On va pas tuer, on n'est pas en train de tuer Fuchs. Fuchs, non Fuchs, je t'aimais bien, t'étais cool. Ouais, tu sais pas comment marche.
Alors c'est pas dur, il y a des numéros. 2, 1, 6. Tu tapes à côté, t'as l'air à moitié... 2, 1, 6. Oui, c'est ça, 2, 1, 6. Non! Ah non, c'est juste la lumière. Fox, t'as sauvé le monde! Fox! T'as pas dans la machine! Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101 pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier. Mais le vagabond solitaire ne sombra pas dans les vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises du père à son enfant, abnégation, compassion, honneur, guidèrent son âme noble vers le succès. C'est tellement beau. Mais ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus, le sacrifice de soi. L'enfant refusa de suivre l'exemple du père. Il laissa entrer à sa place, dans la salle de contrôle irradiée du projet pureté, un héros digne de ce nom. Choisi par le malveillant président, le vagabond refusa de devenir un instrument de destruction. L'humanité, malgré tous ses défauts, fut jugée digne d'être préservée. Mais faut que c'est pas mort, hein, on est d'accord. Les coulèrent enfin dans l'abondance et dans la pureté, pour le bien de tous. Et puis je trouve que le geste était beau. Les terres désolées de la capitale. On voyait quelqu'un qui a été tué par les radiations, enfin qui a été détruit par les modifié par des radiations. Justement, ça c'est... Ah, voilà, ainsi le chien. Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de l'abri 101 pour entrer dans la légende. Vivement l'abri 111, chers amis. L'histoire de l'humanité, elle ne s'achèvera jamais. Car les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre... La guerre ne meurt jamais. Ah, pour ceux qui l'aimaient, cette phrase... La revoilà. Et la petite musique à la con. Deux semaines S plus tard. Wow. Il est joli le plafond. Oh putain. Oh. Doucement, doucement. Ne bougez pas trop vite. Tout va bien. Vous êtes en sécurité à la citadelle. Je commençais à croire que vous ne vous réveilleriez jamais, même si on m'avait assuré du contraire. Je suis venu chaque jour vous rendre visite, ainsi qu'à ma fille. Je suis content qu'au moins quelqu'un soit sorti du coma. Coma ? Et où est Sarah ? Elle va bien ? Oui, oui, elle va bien. Ou cela ne saurait tarder. Je vous remercie de vous inquiéter de son sort, mais vous n'avez aucune raison de vous en faire. Pensez plutôt à vous. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes à la citadelle. Il y a eu une sorte de poussée d'énergie au démarrage du purificateur. Sarah et vous avez perdu conscience. Je vous ai fait amener à l'infirmerie. Pendant des jours, nous avons veillé sur vous deux. Je suis content que ces efforts aient fini par payer. Et le purificateur, il a marché ? Oh oui.
Le lac artificiel est rempli d'eau pure. Nous avons tâché de mettre sur pied sa distribution au plus grand nombre de gens possible à travers les terres désolées. En fait, j'ai bon espoir que ce qualificatif de terre désolée n'ait bientôt plus de raison d'être. Oh. Tout cela n'aurait pas été possible sans vos efforts et ceux de votre père. Je doute que nous puissions un jour vous remercier comme il se doit. Alors, on a gagné, on a battu l'enclave. Oui, aucun doute là-dessus. Grâce à votre aide pour détruire son PC et sa défaite au purificateur, l'enclave a été mise en déroute. Liberty Prime a aidé nos troupes à se débarrasser des dernières forces de l'enclave. Et j'ai été longtemps dans le coma ? Environ 2 semaines. Oh, putain. Ne vous inquiétez pas, nous avons comme si on pris le savait soin déjà. De vous. 2 semaines ? C'était 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, ça dépend de vous, non ? Le plan d'action de la confrérie est assez simple. Les restes de l'enclave doivent être balayés. La troupe s'y attelle depuis que nous avons repris le purificateur. La seule question en suspens est, pouvons-nous compter sur vous pour nous y aider ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Eh bien, nous avons besoin de toutes les personnes valides. Dans ce but, je vais contourner les procédures de recrutement pour vous nommer chevalier de la confrérie de l'acier. Avant toute chose, allez voir le scribe Rothschild. Je suis certain qu'il sera ravi de vous revoir. Oui, monsieur, bien monsieur. Il vous décrira en détail ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines et sur quoi portent maintenant nos efforts. Parfait. Je sais que vous vous remettez à peine d'une épreuve très rude, mais plus vite vous irez le voir, plus vite nous en finirons avec tout ceci. Oui, monsieur, bien monsieur. Où est Sarah ? Elle va bien ? Elle est ici, inconsciente, mais dans un état stable. D'accord. Votre rétablissement me redonne de l'espoir. Tant mieux. Enelayan, nous devrions discuter des super mutants. Oh ? Vous avez découvert quelque chose ? Parlons d'autre chose. Certainement. Je ferais mieux d'y aller. Écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Cliquez dans les descriptifs de l'épisode vers les différents liens de mon partenaire Gamesplanet.com et les différents jeux Bethesda Fallout qu'il propose. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.